40 degrés à l'ombre. Ses enfants, en majorité des filles, ont entre 9 et 17 ans. Il travaille dans plus de 87 sites d'orpailleurs dans la région de Kédougou. Si jeune, mais si expérimenté. Les enquêtes montrent que 79% des orpailleurs identifiés ont une expérience de plus de 7 ans dans la recherche de l'or. Les enfants de moins de 11 ans, eux, ont une expérience de plus de 4 ans. L'activité est pénible et contraire à leurs possibilités physiques. Et pourtant, ces enfants sont contraints par la force à travailler dans ces mines, hélas, sans perspective aucune. Donc, Kadi, ndarimi tay si tay woni accitirini suka bana wonde ko ko min mari ma ko koto mari accitirimo nitum wona e bandi sayi woni mi addimo ga hakkunde do e kamen wuddi bon ko woni mi yida yo payon yo suka on bonu dal quoi. La région de Kédougou, située dans la zone la plus orientale et la plus méridionale du Sénégal, est une zone transfrontalière entre le Sénégal, le Mali et la Guinée. C'est la principale zone aurifère du pays. À côté des grandes compagnies minières, prolifèrent des sites d'orpailleurs artisanales dont les exploitants essaient tant bien que mal de vivre de cette richesse aurifère. Dans les Djouras, ce qu'on appelle un peu le proxénétisme, des enfants, des jeunes filles étrangères qui sont envoyées dans les Djouras, donc utilisées par d'autres personnes, donc pour en profiter économiquement. Donc, en quelque sorte, vraiment, il y a un problème de protection et de promotion des droits de l'enfant dans la région. On dit d'ailleurs gorko hein. Menen ka juraaji do golle de no musi ha sayi me de woni do ko angal no wade men jangani so men janguno men jotta ko no do ko no hande me de nisi dum ha sayi men jangani condition ji din do no musi ha burti ko dum sayi men me medata accude bibbe amen wada jankontel di difficulté ji ko me woni do de micro et autochtone famille et exploitant. Tous intègrent dans leur main-d'œuvre les enfants dans cette recherche effrénée de l'or. Ils sont disséminés dans les puits ou damas du Djoura. Dans la chaîne d'exploitation, ils sont présents et à toutes les étapes. De l'exploitation au traitement des gravats pour en extraire de l'or. Et cette implication massive de ces enfants dans l'activité traditionnelle d'orpaillage n'est pas sans conséquences. Ils sont souvent victimes de blessures, d'épuisement de l'organisme, d'intoxication aux produits toxiques utilisés tels que le mercure et la cyanure et aussi d'affaissement de terrain et des éboulements. S'y ajoutent l'abandon scolaire, la maltraitance et les abus sexuels. L'État du Sénégal n'est pas seul dans ce combat. Face à cette difficile situation, la CONAF, Coalition Nationale et des associations et des ONG en faveur de l'enfant, avec l'appui de Save the Children International, collabore étroitement avec les autorités locales, coutumières et les services techniques déconcentrés. En 2014, débute le processus de collaboration entre la CONAF et Sabodola Gold Operation, SGO. Un plaidoyer est fait afin de voir ensemble comment orienter la subvention de SGO allouée aux collectivités locales partenaires dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises pour financer la protection de l'enfant qui n'était pas prise en compte dans leur budget d'une part, mais aussi de voir comment CONAF SGO Save the Children peut aller dans le sens de construire ensemble des messages pour le respect et la promotion des droits de l'enfant et la mise en place avec d'autres acteurs d'une plateforme RSE pour l'enfance. La CONAF souhaiterait avoir cette collaboration pour renforcer les compétences des acteurs qui tournent autour de SGO pour pouvoir être
encore beaucoup plus regardant sur les subventions qui sont... Nous sommes vraiment honorés de vous recevoir aujourd'hui. Responsabilité sociétale, c'est de Sabodala Gold Operation, notre porte d'entrée est la collectivité locale qui en charge aussi le développement socio-économique. Récemment, avec notre rapport de responsabilité au niveau de Dakar, elle a fait le plaidoyer de l'enfance. On vous montrera ce que nous faisons, notamment dans le cadre de la nutrition, avec quelques périmètres maraîchers. Je suis venu au projet de Sabodala Nabe. Parce que ça a été un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps pour que je me nafte. Mais il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps. Si je me suis dit, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Parce que je me suis dit, il y a un peu de temps. Si je me suis dit, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Ce plaidoyer est en train de porter ses fruits. En 2017, SGO a mis en place un budget spécifique à la protection des enfants dans ses 5 communes partenaires. Grâce à cette société minière de Sabodala, ils nous ont mis en collaboration avec des partenaires et ils ont construit ce bâtiment pour la prise en charge des enfants. C'est un bureau qui, ici, on prend uniquement les enfants de 0 à 5 ans. La CONAF entend poursuivre sa mission en développant un partenariat tripartite. SGO, CONAF, collectivité territoriale, mais et avec les acteurs intervenants dans le domaine de l'enfance, dont les GIE des orpailleurs partenaires, pour le signalement des enfants en situation de travail dans les sites. À dire à CONAF, on a pris un bon chemin, mais on n'est pas arrivé à destination. Parce que ce n'est pas tous les sites qui ont pris ça dans les mains. On a passé dans les endroits, on a sensibilisé, ils ont donné les informations. Mais ce n'est pas tous les sites qui sont comme là où nous sommes aujourd'hui présentement. C'est bon aussi que la fédération fait des tournées pour descendre dans les sites. Et là aussi, ça nous manque. Nous demandons à CONAF de nous donner des moyens en appuyant KEVO, qu'on puisse aller dans les sites différents pour parler directement avec les repas qui sont là.